Someone's knocking at the door. Someone's knocking at the door. Can you hear him knocking? Can you hear him knocking? He's been knocking very long. for so long can you hear him knocking can you hear him knocking Évangile et la libéralité chrétienne, c'est le thème de l'émission de ce matin sur Dolos FM, vous qui nous suivez également sur Youtube et Facebook et puis sur Zoé Channel. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans ces quelques minutes que nous passerons ensemble comme invité. Nous avons encore ce jour le révérend prophète Ferdinand Ekané. Il sera question de parler de l'évangile et de la libéralité chrétienne. Les rapports, le rapport entre les deux, les conséquences, les définitions même de ces termes. Alors euh, je ne suis pas seule euh, dans ce studio pour euh, poser des questions à l'homme de Dieu. Je serai accompagnée de l'aspirante Emmanuel. Bienvenue. Merci Daniel Kajob. Bienvenue à vous aussi. Révérend Prophète Ferdinand Ikané, merci d'être là. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Alors nous allons commencer comme ça l'échange de ce matin. Nous parlons, comme je vous l'ai dit à l'entame, de mes propos de l'Évangile et de la libéralité chrétienne dans le monde. La solidarité s'effectue à travers la lutte contre le COVID-19. Les chefs de gouvernement sont également dans le train pour pouvoir soutenir des personnes pour la riposte nationale. Dans les églises également, ça se fait. Et ce matin, ce thème a été inspiré par le Saint-Esprit à l'homme de Dieu. Et donc, nous allons à lui poser la première question. C'est quoi la libéralité, homme de Dieu? La libéralité, c'est le fait de partager ses biens avec des personnes tierces. Donc, c'est la largesse. Avoir des largesses, c'est ne pas être avare, c'est pas être égoïste, c'est pas être égocentrique, c'est l'antonyme, en fait, de l'égocentrisme. Voilà, et euh, quelle est donc la relation entre la libéralité et l'évangile En fait, l'évangile nous enseigne à être euh, libéraux. Parce oui. que vous savez que Dieu a usé de libéralité en envoyant son fils Jésus-Christ sur la terre pour mourir pour des personnes qui insultait. Donc il a partagé le don du salut avec nous. Quoi que nous le méritions, point. Donc la libéralité, c'est un peu cela. Ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, euh, l'une des marques de leur conversion se trouvera dans le fait de partager ce qu'elles ont. Donc vous verrez quelqu'un qui était aval, qui était chiche, avant, maintenant, partager librement. Mais si vous voyez quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu, mais cependant, il est encore aval, il est chiche, il n'aime pas partager ce qu'il possède, c'est que sa conversion encore coup, est encore en cours, elle n'est pas encore parfaite ou alors elle n'a même pas encore été entamée. Donc, mais l'un des grands signes de l'amour de Christ en nous se manifeste par le désir profond de partager ce qu'on possède avec celui qui ne possède pas. Voilà, il faut dire que dans 2 Corinthiens chapitre 9, on parle justement euh, de tout cela. Homme de Dieu, comment est-ce que vous pouvez, euh, euh, disons, établir les liens véritables parlant de ce passage de Corinthiens chapitre 9 et euh, de ce thème la libéralité et l'évangile. Déjà, il faut dire que tout un Corinthiens chapitre 9 parle de la libéralité chrétienne. Mmh. Et il y a d'autres, beaucoup d'autres passages dans la Bible. Qui évoque aussi la libéralité chrétienne, et je pense que on va faire le tour de tous ces passages. Mais 1 Corinthiens chapitre 9 a été uniquement écrit pour encourager les frères en ce qui concerne la libéralité chrétienne. Donc, à cette époque-là, il y a ce qu'on appelait la collecte. La collecte, c'était des, des cotisations faites par les églises euh, qui, qui étaient un peu plus nanties vers les églises ou en faveur des églises qui étaient peu nanti Donc euh, la colère, c'est celui qui avait les, des habits, il en donnait à celui qui n'en avait pas. Celui qui avait à manger, il donnait à celui qui n'en avait pas. Et quand nous revenons dans acte chapitre 4, nous voyons comment les apôtres ont fait pour vaincre la pauvreté. Et la Bible dit qu'il n'y avait point d'indigents au milieu d'eux. Et j'ai expliqué que ça ne voulait pas dire qu'il n'y a pas eu d'indigents. Il y avait des, des, des indigents, mais ceux qui avaient couvraient les besoins de ceux qui n'avaient pas. Ça fait en sorte qu'on ne ressentait plus le poids de la pauvreté. Et avec l'application de la loi de la collecte dans l'Église primitive, nous avons compris quelles étaient les stratégies employées par les apôtres pour surmonter la pauvreté et l'indigence dans l'Église. Nous avons aussi été inspirés par le comportement pour mieux comprendre la responsabilité d'un leader religieux. Notre responsabilité ne s'arrête pas seulement à prêcher l'Évangile, mais vous verrez l'apôtre Paul en train de voyager de ville en ville, d'aller d'église en église pour collecter des biens matériels, pour pouvoir les acheminer vers d'autres églises qui étaient dans le besoin. temps. Euh, quelque part, ça veut dire que l'apôtre Paul était le directeur d'une grande œuvre sociale dont il ne prêchait pas seulement l'Évangile, mais en prêchant l'Évangile, aussi avec des ballots de vêtements, des ballots de chaussures pour partager à ceux qui n'avaient pas de la nourriture, des denrées alimentaires pour ceux qui n'en avaient pas, ou bien peut-être des, des, des cotisations en espèces pour en donner à ceux qui étaient dans le besoin. Là, ça, ça, ça nous fait comprendre qu'il n'y a pas d'évangile sans libéralité. La libéralité est une caractéristique de l'évangile, et la libéralité est le miracle qui accompagne l'évangile. Ça veut dire qu'on ne peut pas seulement prêcher l'évangile aux gens, on doit aussi les nourrir. Et l'apôtre Paul et les autres apôtres qui ont suivi ce modèle l'ont suivi de Christ. Ils ont compris que Jésus évangélisait, mais il nourrissait aussi ceux vers qui le Seigneur les envoie. Sinon, qu'est-ce qu'on appelle berger? Chez nous, Gayinako, en Fufuldé, veut dire le vigile, le gardien, celui qui veille pour voir si la brebis a faim, il lui donne à manger. Si elle est malade, il lui trouve des remèdes. Si elle est blessée, il lui trouve un pansement. Donc, c'est ça un berger. Le rôle d'un bon berger, d'un berger accompli, est de nourrir spirituellement les âmes des brebis qui lui sont confiées et de les nourrir aussi euh, sur le plan physique, c'est-à-dire humain et alimentaire. OK, homme de Dieu, en fait, selon même 2 Corinthiens 9, verset 13, l'assistance aux chrétiens est aussi une profession de l'Évangile. Que pouvez-vous dire par rapport à cela? Euh, je pense que ça revient euh, à ce qu'on a dit. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 16, verset 1, Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galaxie. Vous voyez, donc on parle de la collecte en faveur des saints. L'apôtre Paul avait cette... C'était une très grande campagne à cause de la grande famine qui régnait à l'époque. L'apôtre Paul, en tant que berger de son troupeau, s'est dit que si je prêche seulement l'évangile aux gens, si l'évangile ne peut pas remplacer leurs besoins physiques. Le besoin nutritionnel. Donc, il faut qu'en prêchant l'évangile, en y allant, je puisse aussi leur apporter à manger des contributions données par d'autres frères. C'est important. Ça montre l'initiative qui doit être prise par les pasteurs encore aujourd'hui. Ça doit être un modèle pour nous. Ça dit que l'évangile ne doit pas être pratiqué à moitié. Ça dit, on demande seulement les offrandes, on demande les dîmes, on demande aux gens d'apporter des cotisations. C'est pas ça, c'est la responsabilité de l'église. Je pense qu'en des temps comme ceci, où le confinement, euh, du au fléau du Covid-19 a appauvri beaucoup de personnes ou fragilisé encore économiquement beaucoup de familles. Nous devons nous poser la question en tant que berger, euh, L'évangile ne pouvant pas les nourrir physiquement. On ne peut pas, si les gens me touchent de faim ou de famine, on va prêcher encore à qui? On va prophétiser sur qui? On va enseigner la parole de Dieu à qui? Donc, moi je pense que c'est maintenant que chaque pasteur doit s'évaluer s'il est un bon père ou s'il n'est pas un bon père. Je préfère rester chez moi sans manger et voir mes brebis être nourris. Je veux faire de mon troupeau une priorité. Samedi, j'étais sur la montagne pour prier, demandant à Dieu de m'ouvrir les yeux pour mieux comprendre et cerner les problèmes de ma génération. Donc, aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas une question de apporter les dîmes, apporter les offrandes, etc. Les gens qui ont compris et qui ont continué à adorer Dieu en envoyant leurs offrandes et leurs dîmes parce que c'est ça l'adoration de Dieu. Ça fait partie de l'adoration de Dieu. On ne peut pas adorer Dieu sans offrandes et sans dîmes. Mais pour ceux qui n'en ont pas, Dieu lui-même au ciel sait qu'ils n'en ont pas. Vous voyez, c'est différent d'une personne qui a et qui refuse de donner au nom de Covid-19. Non. Mais nous parlons de ceux qui sont dans le besoin et que Dieu sait qu'ils ont besoin d'être. Ils ont besoin d'être nourris. Alors, là, c'est le temps où l'Église doit faire asseoir ses brebis et les nourrir physiquement, leur acheter à manger, distribuer à manger aux couches démunies et à ceux qui sont dans le besoin. C'est ça la responsabilité de chaque personne qui prétend être homme de Dieu ou bien visionnaire d'une vision. Donc, notre responsabilité, c'est là. Nous ne pouvons plus être exigeants dans les offrandes ou exigeants dans les dîmes lorsque nous savons que beaucoup de personnes sont paralysées. Nous savons plutôt que maintenant, en des temps comme ceux-ci, conformément à tous ces passages de la Bible, nous devons, en tant qu'Église, venir au secours des membres de nos églises qui sont pauvres. OK homme de Dieu mais nous comprenons donc que l'assistance est une obligation pour le BG mais maintenant comment faire cette assistance est-ce que nous devons le faire de manière publique dans les réseaux sociaux ou bien nous devons le faire de façon cachée comme le demande Matthieu 6 le verset 3 Matthieu 6 3 dit quoi quand vous faites l'aumône, que votre main gauche ne soit pas au courant de ce que vous Non, c'est l'aumône. non on n'est pas dans le monde. Quand vous regardez, par exemple, ce qu'on fait là, ce n'est pas l'aumône, on distribue la nourriture. Quand vous regardez 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens 9, vous regardez 2 Corinthiens chapitre 16, verset 1 que je viens de lire, vous comprenez que c'était public, non? Ce n'était oui. pas un secret. Donc, ça, c'est différent de l'aumône. L'aumône, c'est l'offrande donnée à une personne en privé. Ça veut dire que si je vous offre quelque chose en privé en tant que personne, je n'ai pas venu venir crier dans les médias que vous voyez la chaussure qu'elle porte là, là c'est moi qui lui ai donné, etc. Non. L'acte dans lequel nous sommes, il s'agit de la libéralité chrétienne et dans le domaine des collectes. Mais ici-là, les collectes, ce n'est même pas qu'on demande au saints de venir collecter. C'est que la direction de l'église Réma décide d'arrêter certains de ses grands projets pour nourrir les brebis. Parce que nous sommes en train de construire une grande église. Alors je suis en train de parler. Vous voyez, c'est des, des millions, des centaines, des centaines de millions. Mais qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que je veux continuer dans un projet comme celui-là, c'est-à-dire euh, 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 engagé, enthousiaste, tandis qu'il y a des brebis qui meurent D'accord, si après le confinement, après la crise du Covid-19, il n'y a plus de gens pour venir à l'église. L'église qu'on est en train de bâtir à l'éternel servira à quoi Je pense que le temple de Dieu, c'est les brebis que nous nourrissons. C'est là que Dieu habite. C'est ça l'habitation de Dieu. C'est nous qui sommes l'habitation de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit à l'administrateur général, nous mettons d'abord une pause à la construction de la maison de notre Dieu pour nourrir son peuple. Parce qu'il faut que le peuple puisse survivre. À, au Covid-19 Et j'ai dit que si ça continue Comme j'entends que ça va aller jusqu'au 1er juin Je sais pas trop Je ne sais pas si c'est une, une information avérée Là c'est hein? pour des classes en fait D'accord, oui si les classes sont déjà ouvertes Ça veut dire que les rassemblements euh, sont, 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 sont permis Donc et si ça va jusqu'au 1er juin Ça veut dire que je me sentirai encore dans l'obligation D'aider encore les gens de relancer une deuxième session de l'opération Solidarité COVID-19. Parce que euh, ça fera un mois encore, les gens auront encore besoin d'aide. Alors, nous arrêtons certains projets pour nourrir les gens. C'est ce que les gens doivent comprendre. Parce que la vie des hommes, elle est plus importante. J'ai parfois l'habitude de dire que si quelqu'un souffre, euh, on peut encore e essayer de réfléchir. Non, la personne, qui si n'a pas de travail, ok, d'accord, on peut s'amuser. Mais si quelqu'un vous dit déjà que je suis malade, moi, même si j'ai mis l'argent là-haut, même si j'ai caché mon économie là-haut, dès que vous dites déjà, je suis malade, j'irai prendre de, cette économie-là pour me rassurer, de vous aider, c'est-à-dire à suivre vos soins. Je pense que c'est ce que nous avons fait avec la petite fille de. de, 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 de au palais des sports, à l'Exodus Night, mm -hmm. qui avait des protubérances et, en sorte que ses parties génitales n'étaient plus visibles. Hein? J'ai demandé sur place qu'on lui donne, qu'on doit à sa maman 500 000 pour aider à son opération. Et après ça, nous avons encore dépensé des centaines de milles. Et on l'a opéré et ça s'est bien passé. C'est à cause du confinement qu'elle n'est pas venue rendre témoignage. Je pense qu'on a notre frère, euh, Saido, qui devrait, qui est allé à l'hôpital et puis on l'a opéré trois fois. Et on a découvert que c'était un cancer du, de, 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 un problème de cancer, dans tous les cas, et il fallait, il avait deux, euh, trois injections à prendre. Une injection coûte 1 300 000. Je suis allé lui rendre visite et il pleurait. Il a, il, la famille s'est débrouillée pour avoir une injection et donc là, il, il reste encore deux. Il ne sait pas quoi faire. J'ai dit, je m'en charge. Et on a donné 2 600 000 pour faire. Donc, je veux dire quoi Je veux dire que ce n'est pas quand quelqu'un meurt que vous allez faire ses éloges ou bien commencer à lui trouver un beau cercueil et tout. Non, je suis prêt à me dépouiller pour aider à à quelqu'un, et de quelqu'un qui est malade, à revenir. Parce que je dis souvent à la maison, chez moi, que lorsque quelqu'un, quelqu'un quand quelqu'un est déjà malade, c'est-à-dire qu'il est à la porte arrière du monde, il est au seuil de la porte arrière, de l'arrière-porte du monde, c'est-à-dire qu'il est en train de sortir déjà du monde. Et ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il est déjà aux portes du séjour de mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la plus grande fatalité pour l'humanité, c'est la mort. Mais la fatalité qui vient avant la fatalité de la mort, c'est la maladie. Quand quelqu'un est malade, c'est une personne que si vous négligez, elle va mourir. C'est-à-dire qu'elle est aux portes de la mort. Il faut tout faire pour qu'elle revienne à la vie, en contribuant et en s'écourant la personne. Ça marche aussi quelqu'un a faim. Hein? Au lieu de venir lui dire Dieu pourvoira, c'est ce que la porte pour dit, non? Hein? Que non, vous voyez, Dieu va le faire, ne t'en fais pas. Hein? Tu vois, le Seigneur Jésus est grand pourvoyeur, il agira. Pourtant, vous avez de la nourriture dans votre maison. Non, la Bible dit qu'au lieu de dire cela, il faut plutôt aller sortir la nourriture que tu as et tu donnes à la personne. Donc le christianisme doit être pratique. Voilà, homme de Dieu, il faut dire qu'il y en a qui manifestent la libéralité, il y en a qui ne la manifestent pas. Et euh, le fait de lancer l'opération Solidarité Covid 19, c'est un gros risque que Réma Ministre Michel prend, parce que, on vous l'avait dit, il n'y a plus beaucoup d'entrées. Alors, par rapport à cela, j'aimerais savoir, puisque beaucoup de personnes savent que vous êtes l'âge de nature, est-ce que la libéralité n'est pas en quelque sorte d'abord une grâce ou une qualité, ou c'est quelque chose que tout le monde peut développer? Euh, non, je, je ne pense pas que c'est une grâce ou une qualité. Non, non. La, la libéralité, on apprend. Mm. Ça dit que moi, j'étais très chiche. Je vous ai souvent rendu mon témoignage. Comment j'étais chiche avant, Voilà, donc, Mais on apprend. Vous voyez, quand quand la grâce de Dieu est déjà sur vous et, et que vous enseignez, ça dit que vous apprenez l'Évangile. Vous avez la, 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 la ça dit des dispositions volontaires. Ça dit sur le plan volontaire à apprendre. Alors vous apprendrez. On apprend. À être large. On apprend à définir libéral. C'est pas un don. Hein, c'est pas un don, quoi que ce soit un don d'une certaine façon, mais c'est quelque chose, une valeur qui est innée à chacun de nous. Euh, Jacques par exemple, le frère du Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi peut-elle le sauver Nous sommes dans Jacques chapitre 2 verset à partir verset 14. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassagiez. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il Il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. Ouais. Donc moi, je pense que euh, c'est ce que la Bible nous enseigne. Jacques explique que si quelqu'un a faim, tu as le moyen de l'aider. Et tu lui dis non, va, le Seigneur pourvoira, prions le Seigneur, mon frère, prions le Seigneur. Baissons la tête dans la prière, prions, oh, Dieu, fais le Seigneur agir. Seigneur, nourris ta servante, nourris ton serviteur, pour ah, tu es le grand pourvoyeur, tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Tu commences à réciter tous les grands noms de Dieu, et puis tu dis va, dans la paix du Seigneur, le Seigneur pourvoira. Et dès que la personne sort, tu prends ta cuisse de poulet. Et tu m'as oublié tes ailes de dents. Alors, ça pose un vrai problème par rapport à la déontologie chrétienne du christianisme elle-même. Le christianisme, c'est partager. Jésus-Christ a partagé sa vie avec nous. Dieu a partagé son Fils avec nous. Et nous, nous partageons aussi ce que nous avons avec ceux qui n'ont pas. Donc, le christianisme est autour, caracole et chevauche autour du partage. C'est l'esprit de partage. Mais si vous ne parvenez pas encore à cet esprit, ça dit que votre, votre conversion, elle est encore inachevée. Voilà, hommes de Dieu, vous avez sensibilisé dernièrement, parlant du lancement de l'opération Solidarité Covid-19. Les hommes de Dieu, à vous rejoindre et à aider les brebis en temps difficile. Alors, beaucoup pourraient dire, c'est parce que le prophète Ferdinand Icane et son épouse ont les moyens de le faire. Mais qu'en est-il de ceux qui n'en ont pas les moyens de le faire? Qu'est-ce que vous entendez par ceux qui n'en ont pas les moyens de le faire? Moi, je comprends pas. Les pasteurs, oui. les pasteurs qui ne sont pas, par exemple, euh, au niveau financier, au même niveau que vous. Non, c'est pas une question de niveau financier, c'est une question de volonté. Voilà. Ça veut dire que si quelqu'un a 10 000 et il partage, et tu as 10 francs, tu dis que tu n'as pas 10 000 pour partager, partage au niveau de 10 francs. Mmh. C'est ce qu'on devons mmh. faire. Que chacun, selon la mesure de la grâce que Dieu lui a faite, puisse poser un acte qui va quand même prouver à ses brebis qu'en fait, elle euh, percevait quelque part. Vous voyez, les gens ont besoin de sentir que l'église les couvre. Les gens ont besoin de sentir que leur pasteur pense à eux. Mais si les gens. Parce que vous savez que l'église est basée sur les dons des fidèles ça, il faut pas se tromper. En dehors de ce que les passeurs peuvent faire des business, des affaires à côté. Mais nous savons que les ministères sont basés sur les dons des fidèles, sur les partenaires, etc. Donc, si nous demandons, par exemple, nous avons conférence des bienfaiteurs dans quelques jours. Et nous, il y a les gens qui nous envoient les offrandes. Par Orange Money. D'autres leur envoient leur dîme toujours. Par Orange Money. D'autres enfants en Europe qui envoient. Par exemple l'église Rema de Nuremberg a envoyé 300 000 francs. Vous voyez pour contribuer à ce grand, à ce grand projet. On m'a dit qu'il y a un autre frère qui a envoyé un sac de sel etc. Donc maintenant si les gens donnent les offrandes et les dîmes. En ces temps difficile si je demande les offrandes et les dîmes. Et que les gens sont en train de mourir de faim. Sincèrement, parfois, les gens peuvent se poser la question, où va l'argent que nous donnons à l'église? Et je pense que c'est dans leur droit le plus absolu. Ça dit, si que quelqu'un demande, OK, les offrandes que je donne, je ne vois pas ce que le pasteur fait avec. Je pense que la personne devrait le faire. Elle a le droit de demander, est bien vouloir savoir où. C'est vrai qu'on donne à Dieu mais ce sont des hommes qui gèrent cela. Donc mais les gens ont aussi besoin de savoir que l'église si j'ai contribué avec les offrandes et les dîmes pendant des années, aujourd'hui je ne suis pas en même de le faire et je suis en train de mourir de faim et qu'on voit que l'église prend dans les offrandes et les dîmes qui ont été donnés, collectés et qu'on achète à manger au brebis, je pense que la brebis comprendra que oui les offrandes et les dîmes que je donne à l'église ne m'oublie pas. C'est important. Hein, l'église c'est la famille, il faut baser l'église et là qu'on se voit euh, sur des liens familiaux. Maintenant il faut que les gens puissent noter cela. Les gens donnent les offrandes, les gens donnent les dîmes, qu'est-ce que nous faisons à l'heure du Covid-19 si j'ai arrêté d'abord les grands projets et tout ce que les autres donnent, nous essayons aussi euh, maintenant de nous organiser pour que ça soit utile à tout le monde, qu'on puisse entraider, nous entraider. Euh, S'entraider et qu'on puisse atteindre surtout Les couches vulnérables et fragiles Donc pour moi, alors si ma priorité euh, c'est la communauté REMA, ceux qui ne s'en sortent pas. Ouais. C'est la première action que nous avons posée. Dès que nous finissons euh, ce mercredi à partir de midi, dès que nous finissons la, la distribution, il faut dire qu'elle se fera dans l'ordre selon les recommandations gouvernementales. Ça veut dire que 50 personnes avec euh, les distances d'un de mètre et demi ou deux mètres de sécurité, par vague de 50, on donne, vous nettoyez les mains, vous avez vos, vos caches-nées, il pas faut, pas faut avoir vos caches-nées, on vous donne votre paquet et vous repartez immédiatement. c'est pas une réunion, venez juste prendre. Votre paquet et vous repartez. Nous avons fait, nous avons déjà acheté le riz, il est stocké déjà. Nous avons déjà pris un très grand bœuf. Il est déjà là et demain, on va rapidement le faire, partager et on va faire. C'est un très grand bœuf et je pense que peut-être les gens risquent d'avoir même plus d'un demi-kilo de, 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 de viande. Donc, voilà ce que nous allons faire. Nous le faisons par amour pour Christ et par amour pour les frères. Pour moi, si je ne fais pas, je me meurs. Parce que c'est une responsabilité. Ma conscience ne me laisserait pas tranquille. Parce que je ne peux pas, en tant que pasteur, être en train de manger chez moi tandis que mes brebis sont en train de périr. Vous savez que... J'ai des difficultés à recevoir les gens. Hein? C'est quelque chose que j'évite même tellement. Pourquoi Parce que et, et, quand je reçois, je reçois les gens, à la fin, parfois, ça m'affecte négativement. Quand et, et je reçois une personne qui souffre d'une souffrance atroce et que je rentre chez moi, je perds l'appétit. Parfois, je me mets à pleurer seul, je demande à Dieu Seigneur, à quoi c'est-il que je sois ton serviteur si cette personne meurt dans sa situation, etc. Et, et parfois, je maigrissais, je refusais de manger, je faisais une grève de la faim à la maison parce que je voyais les souffrances des gens, Pour moi, ça me tourmente, voir autour de moi les souffrances. Donc, immédiatement, je ne peux pas voir que je mange. Tandis que j'imagine qu'il y a des brebis qui ne mangent pas. Ou bien que je vois ma fille, Jemima, en train de manger. Elle veut le pain. On lui donne du pain. Elle veut le riz. On lui achète du riz. Et qu'il y a quelqu'un qui a son enfant, qu'il est en train de voir mourir de faim, parce qu'il n'a pas les moyens pour aider cet enfant. Je dis non à cela. Je ne peux pas accepter. Donc, je préfère prendre dans mes ressources pour me rassurer que tout le monde puisse manger. Au sorti... De la crise. À la fin, on se regardera en face, on bénira le Seigneur, et je pense que on reprendra tout à zéro. Même s'il faut tout reprendre à zéro, mais qu'on le fasse ensemble, sans perdre une seule brebis dans le champ de bataille. Voilà, homme de Dieu, lors de l'annonce en rapport à l'opération Solidarité COVID-19, vous avez évoqué le fait que euh, votre épouse vous ait rapporté qu'elle est partagé des sacs de riz et des denrées alimentaires aux personnes du euh, démunées du quartier. Est-ce que c'est une attitude que vous recommandez à tous les fidèles qui ont les moyens de souvenir leurs besoins Oui, bien sûr. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et je veux dire merci à Dieu pour la femme qu'il m'a donnée. Vous voyez, ma femme, c'est une merveille. Ça veut dire que c'est la première merveille du monde. On dit qu'il y en a sept. C'est vrai qu'il y en a qui s'ajoutent aujourd'hui. Alors, elle a pris l'initiative, elle est allée au supermarché, elle a fait des achats, et elle est revenue et elle allait de maison en maison, elle donnait des sacs de, de riz de 25 kilos et puis de l'huile et, et tout, tout le nécessaire. Ça, c'est une deuxième action aussi que nous allons porter avec elle. Nous allons prendre une, une action d'envergure dans, dans notre quartier. Nous allons distribuer la maison, la nourriture dans les maisons, c'est-à-dire euh, les maisons démunies. C'est-à-dire dès que nous finissons l'opération aussi, nous allons lancer l'opération euh, euh, solidarité dans notre quartier. Quartier, Covid 19 dans notre quartier pour aller de maison en maison donner à ceux qui ne font pas partie de notre communauté parce que l'action que nous posons c'est pour la communauté oui. nous devons porter une autre action pour tous les citoyens et ça ce sera encore avec mon épouse nous allons le faire dans notre quartier on va travailler à cela pour atteindre encore le, la majorité de maisons possibles vous voyez quand le malheur arrive c'est pas le souhait de quelqu'un on n'a pas envisagé cela avant. Donc, il faut que nous nous serions les coudes. Jésus-Christ l'a fait. Je pense que à l'heure ci, tout pasteur qui ne réussit pas à faire ceci devra considérer que c'est un échec, une tâche dans son ministère. Parce qu'on doit contribuer. Imaginez-vous qu'au Cameroun, supposons qu'on est par exemple, on est peut-être 10 millions de chrétiens. Mais c'est plus, c'est plus. Euh, 10 millions de chrétiens et, donc, et que chaque pasteur s'engage à nourrir les couches fragiles de ces chrétiens, ça veut dire que l'action que le gouvernement est en train de posé et porté à la nation, il y a déjà 10 millions de personnes. Ça veut dire que dans 10 millions de personnes, supposons qu'il y a 5 millions qui sont démunis et que les églises, chaque pasteur se charge de les nourrir, ça veut dire qu'on a déjà atteint 5 millions de personnes à l'intérieur qui n'ont plus besoin d'aide, qui sont assistées. Et ça, c'est quelque chose, c'est une grande contribution euh, donnée au gouvernement dans son effort d'aider de, de, euh, les gens. Parce que ce qui est que sur le gouvernement, avec les aides qu'on donne, ne peut pas atteindre toutes les couches au Cameroun. Ce n'est pas possible d'atteindre les près de 25 millions d'habitants que nous sommes donc pour dire que nous devons porter cette responsabilité, chaque pasteur doit faire quelque chose. Voilà, homme de Dieu il faut déjà préciser que justement le Fonds National de Solidarité c'est plus pour les produits et équipements de lutte contre le coronavirus donc euh, l'initiative dont vous êtes en train de parler a vraiment sa place, ce sera comme un deuxième soutien à porter. C'est un pas pour donner combat. la nourriture aux gens. Hein? Non, 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 c'est pour les produits et les équipements de lutte contre <laughs> le coronavirus <laughs> okay, homme de Dieu merci. non, non, il faut nourrir les gens il faut donner lutte contre le coronavirus. Je ne sais pas, parce que vraiment, les gens vont m'excuser, mais je crois que j'ai béni Dieu pour le président Paul Biya parce que c'est un, un président démocratique. <laughs> Sinon, dans d'autres nations, eh, la façon dont nous exprimons, moi particulièrement, c'est que vous avez les problèmes depuis. C'est vrai qu'il y a des limites que nous ne franchissons pas, mais parfois nous arrivons jusqu'aux bornes. On voit la borne. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que... Euh, quand on regarde le coronavirus actuellement et les gens cotisent des millions et des millions, ça va aider dans le combat du coronavirus? En quoi? Je veux comprendre. En quoi? Parce que, euh, en fait, on a environ mille quelque chose de cas. Euh, Je sais pas les dernières actualités. Le gouvernement parle comme ça d'acheter des produits et équipements pour aider les équipes sanitaires à prévenir la maladie et à prendre en charge les personnes qui sont des atteintes <laughs> du COVID-19. D'accord. <laughs> oui, mais... <laughs> Je voulais dire que l'argent là, si on voit, si on est en Espagne, je comprendrais. Si on est en Italie, je comprendrais. Mais au Cameroun, entre nous, au Cameroun, je pense que l'argent là, il fallait plutôt nourrir les gens avec. Hein, on peut nourrir les gens. Ça dit, bon d'accord, qu'on prenne une partie, parce que je ne vois pas les équipements qu'on doit acheter. Je comprends pas parce que, en réalité, combien de personnes eh, souffrant du coronavirus sont dans nos hôpitaux Combien de personnes Combien de personnes sont internées ouais, C'est un peu ça le problème. Hmm? J'ai essayé d'expliquer que... Si vous prenez par exemple les malades du paludisme, actuellement au Cameroun, ils sont plus nombreux que ceux qui souffrent du coronavirus. C'est-à-dire que le paludisme représente une urgence plus grande que le coronavirus. Le VIH représente une urgence plus grande que le coronavirus. Nous parlons avec des. des ça veut dire que des recherches, quoi. Résultat des recherches. Actuellement, le cancer est la première cause de mortalité au monde avec 9 millions de morts chaque année. Vous mélangez le VIH, vous mélangez le paludisme, vous mélangez d'autres maladies, ça ne tue pas comme le cancer. Le cancer, c'est une urgence dans notre société aujourd'hui. Mais le coronavirus, quand on regarde l'impact du coronavirus au Cameroun, je ne minimise pas. Vous comprenez, je ne minimise pas. Des recherches ont été faites, menées récemment, et les résultats ont été donnés. Que nous, les pays subsahariens, c'est-à-dire les, 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 les pays tropicaux comme le Cameroun, euh, nous sommes déjà immunisés à cause des rayons du soleil. Vous voyez, c'est pour cela qu'en Afrique subsaharienne, il n'y a, a, a pas... Trop d'impact du, du COVID-19, vous voyez. Ça, il faut le comprendre. Et en plus, nous avons un gros avantage, c'est que les produits qu'on utilise, comme la chloroquine et tout ça, on a ça dans les couques, on a ça dans et etc. Il y a des plantes et tout ça. Donc, nous avons un très gros avantage dans le domaine du COVID-19. C'est cela que la, la répansion de cette maladie-là n'est pas grande, vous voyez. Mais cet argent-là, ces millions, ces centaines de millions, pouvaient aider... À atteindre les populations désœuvrées, les populations pauvres. J'ai dit des personnes vulnérables, des personnes malades, des personnes très âgées qui ne peuvent plus se battre pour se nourrir, etc. Donc, et des personnes qui n'ont pas de moyens. Donc, je pense que cet argent peut être plus utile à cela. Parce que s'il faut dire que c'est une aide pour lutter contre le coronavirus, sincèrement, je ne veux pas trop l'utiliser. Ok, homme de Dieu, nous voyons dans la Bible, dans 2 Corinthiens, le verset 9. Euh Parce que pour commencer, déjà, avec votre permission, euh, Lorsqu'on si regarde comment le dépistage du coronavirus est fait, si vous prenez la température d'une personne, j'ai dit que, et on dit, vous avez euh, par exemple euh, 39 degrés Celsius, immédiatement, vous dites que vous avez le coronavirus. Vraiment, c'est une folie. Ouais, c'est une folie. Et l'examen du, du COVID, c'est-à-dire du virus, du corona, c'est un virus. Et c'est un virus très, très petit par rapport à d'autres virus. C'est cela qui a eu du mal à le découvrir avant. Donc, euh, ça demande des moyens sophistiqués. C'est-à-dire que même en Europe, c'est pas encore tellement développé. Avec une raison au Cameroun. Et en plus, lorsqu'on fait, on prend le sang d'une personne ou bien on prend euh, sa muqueuse. Ça veut dire que ce soit dans les, les, les narines ou bien au fond de la gorge pour aller faire les examens. C'est un examen qui met minimum deux semaines. Pour que le résultat sorte. Donc, pour faire une campagne générale, c est, c est, il faut dire que c'est terrible. C'est très lourd. Vous voyez? Et c'est très lent en même temps. Donc, cet argent va où Je ne sais pas comment euh, les examens du Covid-19 se font ici au Cameroun. Est-ce qu'il y a ces prélèvements Et à quelle échelle Combien de personnes on peut examiner en même temps est-ce si, que le Cameroun est capable de faire déjà un examen à grande échelle, etc.? Donc, moi, je pense que euh, le gouvernement devrait aussi penser à alléger. Nous avons dit que c'est une, une chaîne. Vous voyez? En des périodes comme celle-ci, il faudrait regarder. Les gens ne travaillent plus et, 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 et puis les entreprises n'arrivent plus à, à, à rouler. Et on commence en amont. J'ai dit que MTN, Orange et tout cela, s'ils nous aiment vraiment, ils doivent d'abord baisser les prix euh, des forfaits, des appels et, et, et des. Des de, de, de données mobiles. Ils doivent baisser. Parce qu'on n'a pas les moyens, l'économie est au ralenti. Et puis, le gouvernement doit baisser aussi, ralentir un peu, baisser un peu les impôts. Parce que si après ça, à la fin du mois, l'on vient encore me demander les impôts comme si j'avais fonctionné tout, tout au long du mois, vous voyez, ça va. Bon, maintenant, ça va faire une catastrophe économique. Ce qu'il faut savoir dans cette affaire, euh, quoique sur si le plan sanitaire, Dieu ait préservé l'Afrique, mais l'Afrique aura un sérieux problème, surtout l'Afrique subsaharienne. Elle aura un problème après, après, euh, euh, ça dit après la, la pandémie, pandémie. Oui, sur le plan économique. Parce que les autres nations, l'Europe, euh, les Amériques, euh, ils ont leur argent, vous voyez. Après, les, après ce problème, si chacun ira puiser dans ses économies. Mais nous, nous avons quelle économie Déjà que notre monnaie ne vient pas de nous, elle ne dépend pas de nous. Et, nous et, nous sommes et le sommes Voilà, nous sommes endettés et le débit injecté dans notre économie dépend de la France vous voyez donc oh, nous serons jugulés économiquement ça c'est la vérité nous serons vraiment jugulés parce que même lorsque on va relancer euh, les activités elles ne reprendront pas tout feu, tout flamme non il y a des gens qui seront prudents il y a des gens qui attendront d'abord à la maison tout le monde n'enverra pas ses enfants directement à l'école d'autres et c'est pas tout le monde qui sortira pour aller au travail non et c'est pas tout le monde qui sortira pour venir à l'église non il y aura d'abord un ralentissement de l'économie et les gens et c'est un habituel confinement il y a ses conséquences devront se réhabituer à leur vie d'avant ouais et il faut faire attention et il faut se concentrer sur la sortie de crise laprès coronavirus ok homme de Dieu pour revenir sur le sujet de de cette émission de, de cette émission de la libéralité en fait par rapport à ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 9 le verset 10 il parle de de, du fait que c'est en donnant que nous devenons justes et que Dieu augmente le fruit de notre justice. Donc je voudrais connaître quel est vraiment le fruit de, de la justice dont Paul parle. Non, c'est que Dieu a donné. Il a été juste envers nous. Si nous donnons, nous pratiquons le modèle de la justice de Dieu. Donner, c'est pratiquer la justice. La Bible dit que heureux ceux... Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde, c'est avoir de la compassion et participer. Ce n'est pas seulement avoir de la compassion. Dis, ouais, tu n'as rien mangé, ouais, oh, ouais, que. Azamba, ouais. Non. Et puis tu dis que le Seigneur est au contrôle hein, et tu peux pas manger chez toi. Non, la miséricorde, c'est partager d'abord la compassion de la personne et prendre le peu qu'on a pour aller donner à la personne. Oui, c'est ça, la miséricorde. Et la Bible dit que celui qui donne la miséricorde à son frère obtiendra de Dieu aussi sa miséricorde. Donc ça veut dire que celui qui donne, recevra. C'est un principe. Donnez et vous sera donné. On versera dans votre sein une mesure serrée, sécouée une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Donc, je pense que c'est ça notre responsabilité. Et je voudrais dire à tous nos bienfaiteurs de pas manquer à nos deux grandes conférences de bienfaiteurs à Mardi, Yaoundé. À Yaoundé le 30 avril, jeudi. Le 30 avril, jeudi, à partir de 17h. Oui. Ce sera à Etoamiki. Et à Douala. Voilà, le 28 mars. Voilà, donc nous vous attendons très nombreux et, et soyez encouragés dans cette œuvre de libéralité. Pour ceux qui s'étaient découragés, c'est le temps de d'attacher encore nos ceintures. Faisons-le pour que nous puissions parvenir à toucher nos frères et nos sœurs qui sont fragilisés et que l'église continue à fonctionner comme si de rien n'était. Avec votre permission de Dieu, nous allons donc sortir de cet échange. Vous n'avez pas besoin de ma permission, puisqu'on avait dit que c'est 30 minutes. D'accord, c'était le révérend prophète Ferdinand vous Écoutez, à l'instant sur les ondes de la 91.5 et répondait aux questions de journalistes de Doulos FM sur le thème L'Évangile et la libéralité chrétienne. Nous vous disons comme ça au revoir déjà à l'homme de Dieu. Merci d'être passé. Voilà, euh, merci. On se revoit ce mercredi. Je serai là en personne pour la distribution de ces denrées. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aspirante Emmanuel, merci. Merci à vous aussi. Voilà, à vous, chers auditeurs, chers internautes euh, et également téléspectateurs de WebEttenet, nous vous remercions d'avoir écouté euh, ce focus. Euh, C'était avec le révérend prophète Ferdinand Icane et, et je vous rappelle le thème, euh, l'évangile et la libéralité chrétienne. Nous vous donnons rendez-vous une autre fois pour un autre échange avec le révérend prophète Ferdinand Icane sur un autre sujet qui euh, certainement vous intéressera. Ce sera donc euh, demain à partir euh, de 12 heures du côté euh, des Toméki pour euh, euh, l'opération Solidarité Covid-19, ne manquez pas. Voilà, ce sera en direct. Il s'agit donc d'une aide alimentaire qui sera distribuée à 500 familles démunies fortement touchées par le confinement. Il s'agit des familles démunies de la communauté Réma Ministre-Méchel. Et donc, la distribution alimentaire qui se fera à Itomé, qui est dans le cadre de l'opération Solidarité Covid-19, débutera à partir de 12h. Ce sera en direct sur YouTube, Facebook, doulour FM et Zoé Tianel. Merci à vous et bonne suite de programme. Let him walk away.